moi. Le son était déjà à la moitié, mais ça n'a pas suffi. Il fut un temps où vous étiez un héros, parcourant librement les vastes contrées du monde, auréolé de votre renommée et de vos exploits. Vos hommes vous respectaient. Et vos ennemis tous vous craignaient. Combattant sans relâche, vous gagnez nombre de batailles. Protégeant ainsi par la force de votre bras et celle de votre volonté les âmes innocentes de votre peuple. Mais il est un ennemi que vous n'avez su duper. La mort elle-même finit par vous trouver. Et alors que votre esprit lentement vous quittait, les ténèbres vous enlacèrent et vous dévoilèrent mon véritable visage. C'est là que je vous trouvais. Alors que les restes volatiles de votre vie s'évanouissaient dans le néant, je repris le présent que j'avais fait à toute vie, vous refusant ainsi le repos éternel et vous permettant de vivre à nouveau. Mais cette vie a un prix. Aucune pulsion, aucune émotion, pas même l'ombre d'une envie ne vous serait accordée. Vous rejoindrez ma demeure, l'île de Bren. Là, vous serez soumis au jugement de mes arrêts et combattrez vos semblables, tous des héros de votre monde, souhaitant gagner mes faveurs pour retourner vivre parmi les leurs. Et si vos prouesses sont à la hauteur de votre légende, vous pourriez faire partie de mes élus. Mais la route est longue, et les champions ne sont pas les seuls à peupler mes arènes. Si vous remportez les combats, si vous parvenez à maîtriser le pouvoir de ces dernières, si vous survivez, alors il se peut que vous obteniez la récompense qui vous revient de droit. Bienvenue dans les arènes de l'éternité. Alors voilà. Malkyr, Arena of Eternity, c'est déjà une extension sur le jeu, puisque le jeu existe depuis pas mal de temps en version Kickstarter. Mais bon, voilà. Donc Malkyr Arena of Eternity, un jeu de cartes indépendant français dans lequel vous avez des vraies cartes. Où sont-elles? Elles sont là, mes cartes. Hop. Alors attendez, je vais juste aller chercher. Enfin, pas aller chercher. C'est assez rapide. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déballer ensemble un paquet de cartes. Un pack opening. Alors ils m'ont envoyé plusieurs choses. Ils m'ont envoyé, pour commencer, ce pack de départ Onadril, c'est un pack de champions. Alors, il vous faut des cartes en physique pour jouer au jeu. Et ces cartes en physique, vous allez les jouer sur le lecteur de cartes qu'on vous envoie avec. Donc, cette espèce de un lanceur, comme on peut appeler ça. Eux, ils appellent ça le lanceur, je crois. Et voilà, donc vous le branchez à votre PC. Et donc, il y a plusieurs styles de champions, etc. Et en gros, eh bien, moi, je leur avais dit... envoyez-moi un mage, un guerrier et un perso casu, enfin un perso simple à commencer, et comme ça ce sera pas mal, mais sans me spoiler sur les classes. Et ils m'ont envoyé trois trucs. Après on jouera avec Juice qui sera en face de nous pour jouer, on fera un duel, il est déjà en train de tester le jeu, faire les tutos, etc. et faire quelques games. Voilà. Donc on va voir ce que nous dit le jeu. Salutations jeune âme égarée, je suis Henneld et je serai votre guide. Donc je vous rappelle, studio indépendant français, normand. Qui m'a proposé de faire cette OP. Et j'ai trouvé ça très original, donc j'ai accepté tout de suite. Vous êtes dans les arènes de l'île de Bren, plus connue sous le nom des arènes de l'éternité. Réanimez votre champion en le plaçant sur votre lecteur, le portail des Naruns. Donc, on va jouer un personnage pour commencer, qui est le personnage Glovedil. Alors, il y a pas mal de classes dans le jeu. Moi, il m'avait dit, ouais, qu'est-ce que tu veux comme classe et tout. J'avais dit, non, mais choisissez pour moi. Moi, je veux pas être inspiré et tout. Juste, ce que je peux vous dire, c'est que Juice sera à peu près guerrier et que moi, je serai à peu près magicien. On jouera Gronn, je crois, contre il faut que je me rappelle des trucs. Contre ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui était Onadril. Et donc là, j'ai le pack Glovedil. Alors, c'est assez cool parce que, bon, le pack de départ, c'est ça. Il y a la carte champion. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cartes plus la carte champion. Merci Chabalo pour le sub.
Merci beaucoup. Et donc en gros, ces cartes là, c'est pas mal parce qu'elles sont, elles sont, bon, ça se verra pas évidemment, mais elles sont assez rigides. C'est pas comme des cartes à jouer. C'est plutôt comme une carte bleue. Voilà. C'est un peu comme une carte bleue entre guillemets en termes de rigidité. Donc c'est pas mal. C'est, ça change de la carte hyper fragile où on se dit qu'on va l'abîmer, etc. Donc c'est de la très très bonne carte. Évidemment, c'est des cartes avec des puces NFC pour le lecteur, je pense. Donc c'est normal. Faut mieux mettre la puce NFC dedans, en effet. Et c'est pour ça que c'est une rigidité de type carte bleue. Croyez-moi, les cartes bleues, ça me connaît. C'est environ 25€ le pack de départ, d'après ce que j'ai compris. Et voilà. Donc en gros, là, vous voyez, j'ai mon lecteur qui est là. Et en gros, si je place ma carte champion dessus, ici, comme ça, ça va scanner mon champion. Voilà, vous voyez, c'est en train de scanner mon champion. Et hop, voilà, il y a mon champion qui est apparu. Dans l'arène de l'éternité, le portail des Naruns vous permettra d'exécuter des techniques et des sortilèges dans des combats épiques et captivants. Dans l'arène de l'éternité, le portail des Naruns vous permettra d'exécuter des techniques et des sortilèges dans des combats épiques et captivants. Apparemment, on l'a eu deux fois. Donc voilà. Donc on va faire le didacticiel. Je me suis jamais posté sur le jeu. Je suis jamais essayé le jeu, pardon. Donc je sais pas du tout dans quoi on se lance. On verra bien. Le site de Malkyr a crash. Non ! C'est 50€ car il faut le launcher. Ah ouais ? Ok. Mais du coup, le jeu est gratuit ? Non. Le logiciel est gratuit, mais vous payez le software. C'est-à-dire, en gros, vous payez le lecteur et les cartes. Mais le jeu lui-même sur PC, bah oui, ne coûte rien. Parce que vous payez déjà les cartes. Ok. Alors, regardons maintenant de quoi vous êtes capable. Je sais même pas ce que je vais foutre avec mes cartes. Donc j'ai mis mon lecteur ici. Et après, je vous ferai une caméra avec le gros plan et tout. Qui montrera les cartes, ce sera plus simple. Vous payez le hardware et pas le software. C'est ça. Software est gratuit. Bienvenue dans Bivolga. Repère des préales. Début de la partie dans 15 secondes. Je suis déjà prêt. Tour de l'adversaire. Ce préal est une créature commune ici dans la forêt de Bivolga. Elle est très agressive. En plus, il y a du temps pour jouer, ça c'est horrible. Elle ne vous a pas attendu et s'apprête à attaquer avec coup de patte. D'accord. Ok, chaque carte que vous jouez ne se résout qu'au tour suivant. Après votre tour, coup de patte prendra effet et vous infligera des dégâts. Ah ouais, tu joues un coup en avance. Du coup, le jeu est incraquable. Ouais, j'avoue, bah il faut des trucs plus NFC, ouais. police différente dans le tuto. Ok, donc après votre tour, coup de patte. D'accord, donc après mon tour. Ah ouais, donc on joue un tour en retard par rapport au truc, d'accord. Ne vous laissez pas faire, jouez la carte souffle de volonté. Là, souffle de volonté. Mais ça fait quoi? On sait pas ce que ça fait. Ah, on sait pas ce que ça fait. Il y a juste une illustration, pardon, sur la carte. Ah, mais vous voyez pas à cause du fond vert et tout, oh là là. Mais en gros, on sait pas ce que ça fait. Si, ça doit être écrit, c'est juste que je suis un abruti. Si, ça doit être écrit. Attendez. Il y a un petit signe là, en haut à droite. Ici. Il y a écrit signe infini et plein de ronds noirs autour. Ça doit vouloir dire un truc. Parce que les autres cartes, elles ont pas ça. Ok, je scanne, on verra bien. Souffle de volonté. Merci de donner de la visibilité au studio indé avec des idées novatrices. Continue comme ça malgré cette mince donation. Merci beaucoup, McCaim. Votre santé a diminué car vous avez subi le coup du préal. Terrible. C'est pas écrit sur la carte? Ben non, c'était pas écrit là. Bon, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Si votre santé tombe à zéro, vous perdez la partie. D'accord. Jusque-là, rien. Ah, 185! Ah oui, on n'est pas dans le... Paf! Moins 3, je lui fais perdre. Quoi? Une carte, c'est moins 3? Votre souffle de volonté a fait des dégâts en fonction de votre intelligence. Cliquez sur la carte souffle de volonté sur l'écran pour en savoir plus. Cliquez à nouveau sur la carte pour fermer la visualisation de cette carte. Donc dégâts, intelligence, 2. Intelligence divisée par 2. Donc là, mon intel, c'est quoi? Là, j'ai 2 d'intel? Non, c'est quoi? J'ai 6 d'intel, donc ça a fait 3, c'est ça? Non, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas où je vois mon intel. Terrible. La plupart des effets, dégâts, soins, améliorations, sont liés à vos caractéristiques de champion. Plus elles sont élevées... C'est pas écrit quand tu crées ton deck. Ah, mais on ne crée pas son deck! Le deck, il est là! C'est ça, mon deck! La plupart des effets, dégâts, soins, améliorations, sont liés à vos caractéristiques de champion. Plus elles sont élevées, plus les effets de vos cartes seront puissants. Ok. Les préales ne se laissent pas faire. Utilisez une protection pour vous défendre. Une protection? Ah ouais, d'accord. J'en ai qu'une, je crois. Bouclier psychique. Alors, vous voyez ma carte bouclier psychique? En gros, il y a écrit... je sais pas si on voit, mais il y a un petit 3. Juste ici, pardon. Il y a écrit 3 et il y a écrit... et les coloriés d'une boule blanche en haut. Donc, je sais pas trop. Parce que là, je vois tout à gauche. Je vois que j'ai 4 boules blanches à ma disposition au-dessus de mon personnage. Donc, j'imagine que c'est une sorte de mana. On va faire bouclier psychique et on va voir. On va voir ce que ça fait. Alors ça fait quoi? Votre carte a absorbé une partie des dégâts infligés par le préal. Ah, parce qu'en fait le bouclier, lui, il se joue instant, alors que les dégâts, ça se joue après. Ça c'est bien.
Du coup, on peut cheat avec un portable qui utilise la technologie NFC. Peut-être. 6 sont représentés par le feu. Armure, j'imagine, c'est 5. Tu as 0 d'attaque. Ouais, j'ai l'impression. Le mélange carte physique et jeu, ça va sacrément limiter le spectre côté vente. Je sais pas, faut voir. J'en sais rien. Dans le pack de base, t'as 10 cartes, plus ta carte champion. Effectivement, il n'y a pas de pioche dans le jeu. Et non, du coup, il n'y a pas de pioche, tu joues ce que tu veux, quand tu veux. Attendez, parce que c'est quand même le tuto, hein. Je viens d'arriver. Hein. Live non plus B. Ah ouais, merde. Attendez. Il faut que je pub. C'est vrai qu'on a lancé ça viteuf, mais je voulais lancer. Hop. Petit live sur un jeu indépendant, français, original. Paf. Je vais mettre @malki hein, pour que les gens puissent les trouver et les mentionner. Hop là, voilà. C'est génial. Les deux cartes se jouent en même temps en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux montrer les cartes que tu as, tout ça, tout ça. Alors après, je montrerai un petit peu les cartes avec une caméra qui filmera la table, ce sera plus simple. Mais ce sera quand on jouera avec Jules juste après. Là, en gros, je vous présente vite fait le jeu. Je vous fais la petite démo. Ensuite on fera une petite pause de 5 minutes vite fait, le temps que je mette le setup en place. Et après je vous montrerai les petites cartes, les illustrations et tout en zoom. Ce sera plus intéressant. Enfin, ce sera plus intéressant pour voir les cartes en tout cas. Là c'est juste pour prendre en main le jeu et voir un petit peu comment ça se passe. Juice a déjà joué au jeu. Il est en train de faire les tutos, il a commencé il y a 15-20 minutes. Donc voilà. Selenios35, merci pour le sub. Il n'y a pas de deck building que du préconstruit. Bah, il n'y a pas vraiment de deck building, mais en fait, bon, ils m'ont aussi envoyé... Regardez. Ils m'ont aussi envoyé... Et juste sur la longueur de câble. Ils m'ont aussi envoyé ça. C'est des boosters avec plein de cartes. Donc chaque booster contient 3 cartes. Et par contre, je sais pas si c'est des cartes qui peuvent être jouées sur tous les personnages. J'imagine que oui. Il y a 2 packs tumulte sur Oligar. J'imagine que c'est une extension ou un truc comme ça. Et 4 packs et 4 boosters de cartes. Voilà. Donc tu peux créer ton deck. Tu peux tout à fait créer ton deck. Mais ton deck peut être composé d'un milliard de cartes. Parce qu'en fait, après, tu joues comme tu veux. Les cartes que tu veux, tu vois. Donc voilà, il y a des limitations de cartes en fonction du champion. J'ai pas l'impression, en fait je découvre le jeu comme vous. Vous savez, j'essaie de pas me spoiler pour les jeux exprès pour découvrir et voir ce que ça fait quand quelqu'un qui n'est pas forcément renseigné sur le jeu teste le jeu. J'aime bien aussi faire ça. Donc je découvre avec vous en même temps. On va essayer de continuer le tuto. Alors, points d'action, voilà. Les points d'action classiques. Chaque carte a un coût en points d'action et un certain nombre d'utilisations. 3. Ok. Quand c'est votre tour de jouer, vous gagnez 2 points d'action. D'accord, donc effectivement, les points d'action sont stockés ici. Là, actuellement, j'ai 3 points d'action. Et j'en ai maximum 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, j'ai 10 points d'action grand max. Et chaque tour, on gagne 2 points d'action. C'est plus comme du RPG pour le coup. Et donc, j'ai des points d'action. Et parlons le nombre d'utilisations. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que ma carte bouclier psychique, je peux l'utiliser que 3 fois. Vous avez vu, il y avait le petit 3 ici en haut là. Bon, c'est un peu flou, mais désolé. En gros, le petit 3, ça veut dire que je peux l'utiliser que 3 fois dans un combat, même si elle ne coûte qu'un seul point d'action. Donc ça c'est pas mal. Et donc je vous rappelle que pour jouer mes cartes, j'utilise ce lecteur et je scanne mes cartes dessus. Mais vous le verrez plus après. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il fait full coup de patte en fait, c'est ça? Ok, donc là c'est à moi, je fais ce que je veux. Combustion en chaîne. Par contre, maintenant le plus important. Ah, au bout de 4 tours. Vous êtes un Glovedil, les glorieux chamans du lointain bois de l'Orée. De puissants mages en somme, mais que vaudrez-vous au sein de mon royaume? J'ai hâte de vous voir déchaîner votre forme draconique sur vos adversaires. Quand vous jouez une carte, vous gagnez 2 points communion et 1 point d'intelligence s'il y a au moins un marqueur brûlure sur l'adversaire. D'accord, ah oui, tout à l'heure j'ai vu que je mettais brûlure. Quand vous passez au-dessus de 8 points de communion, vous passez en forme d'esprit et multipliez votre intelligence par 1,5. D'accord, telle est votre capacité. Ok, donc moi mon racial, c'est que je peux appliquer des points de brûlure. Et quand il y a des points de brûlure appliqués, je gagne des points de communion. Et quand j'ai 8 points de communion, je me transforme. Et du coup, mon intel est boosté, sachant qu'en plus, j'aurais boosté mon intel en mettant des brûlures, etc. Donc le but, c'est de faire full brûlure pour gagner des points de communion. Et j'imagine que les points de communion, c'est ça. Et quand on arrive au bout, c'est la transformation. Merci Chazub pour le sub, merci à tous. Dernier point, vous n'avez plus que 30 secondes pour jouer. Ah merde, chacun vos tours. Ok. On va faire combustion en chaîne, on va tester. Un point d'action, 2 utilisations dans la partie. Pendant 3 tours, au début du tour de votre adversaire, brûlure 1 et votre adversaire perd X santé. X est en nombre de marqueurs brûlure sur lui. Ah merde, c'était peut-être pas évident. Par contre, je sais pas si on peut voir ce que font les cartes. Expiation brûlante. Ce que font les cartes avant de les jouer en fait. Instantané. Enchaînement. Vous infligez
vous inflige 2 brûlures, convertit votre résistance en intelligence à la fin de ce tour. Armure n'a pas cette carte d'effet, pardon. Ok. Je vais essayer de tout, je vais toutes les tester, on verra bien. Hein. On verra bien ce qui se passe. Et lui, il a fait quoi? Ah oui, bah du coup, ah oui, enchaînement. Ok. Quand une carte a enchaînement, c'est que je peux jouer une autre fois. Donc on va faire conduction, par exemple. Paralysie. Dégâts 10 plus intelligence. Oh putain, je vais lui faire masse. Parce que là, j'ai 19 d'intel. Donc on va faire 29 de dégâts, c'est ça? Moins 19. Ah, pourquoi moins 19? Ah oui, non, dégâts 10 plus intelligence. Ah, parce que j'ai 9 d'intel, là. Où est mon intel? Intelligence, mais j'ai 19. Pourquoi j'ai fait que 19? 10 plus intelligence, ça aurait dû. Ah, mais contre-coup, vous inflige 10? Non, ok. Je sais pas pourquoi. Ok. Tremblement des tréfonds. On va tester ça. Avec espace, tu peux voir les effets. Ah bon? Comment ça, avec espace, je peux voir les effets? Alors, chaque champion subit autant de dégâts qu'il a de force. Ah, bah ça, c'est bien, parce que moi, j'ai 0, j'imagine. Ah ouais, yes. Excellent. Et lui, il a 20 de force. Ah ouais, donc ça le counter. Alors, si je fais espace, et que je fais ça... Ah, ok. Eh, tu sais ça? T'appuies sur espace, tu scannes la carte, et ça te dit ce qu'elle fait, avant de la jouer. Et après, tu peux lâcher. Parce qu'il y a Juice à côté de moi qui est en train de tester le jeu sur un autre ordi. Ok. Ah, ça, c'est de la bombe. Imparable, en plus. 3 utilisations, 2 points d'action. Là, il a 20 de force. Ah, il est deg, il est deg. Je refais encore. Je floude toujours la même carte. Mais je vais gagner. Il a 20 de force. Tour de l'adversaire. C'est perdu, mon cochon. Ah non, il a de la protection. Merde, j'avais pas vu. Vous avez vaincu. Voilà, j'ai vaincu. Formidable. Ils ont dû ne rien indiquer sur la carte pour pouvoir nerf et boost les effets pour l'équilibrage. Ah, mais oui, bien sûr. Ils ont raison. Le tuto est en chantier. Ok. Mais oui, c'est à cause de ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas écrit ce que ça fait sur les cartes, les effets. Comme ça, ça te permet de nerf ou pas les cartes. Bon, par contre, ce qu'on peut pas nerf, c'est le nombre d'utilisations et les points d'action que ça coûte. Bien joué, les devs, vous êtes trop malins. Vous avez vaincu le préal. L'expérience et les faveurs gagnées vous permettront d'améliorer vos actions et votre champion. Gardez cela à l'esprit. Vous pouvez maintenant défier un autre joueur depuis le menu principal. Ok. J'aimerais même refaire une game quand même pour voir. Parce que. Ah, j'ai de l'XP. Génial. Oh là là, c'est pas brillant. Pour l'instant, je suis à 100% de victoire, en tout cas. Hein. Je suis invaincu. Ah, le journal de combat pour voir tout ce qui s'est passé sur les tours. Pas mal. Victoire, ok. Nice. Choisissez une quête quotidienne. Ok, donc des quêtes. Et là, on arrive vraiment sur le menu du jeu. Le perspicace, jouer 80 cartes rares. La légende, jouer 20 cartes légendaires, etc. Oui, parce qu'il y a des cartes rares, dorées, légendaires, etc. Hein. Mais ouais. Comment on fait pour quitter ça? Choisissez une quête quotidienne. Jouer... On va faire jouer 80 cartes rares. Voulez-vous choisir cette quête? Oui. Observatoire, alors c'est quoi observatoire? C'est pour voir les cartes que j'ai, j'imagine. Scanner une carte, ah voilà. Ok. Ok, d'accord. Donc là si je l'enlève, elle s'enlève? Ah ouais, elle s'enlève direct, ok. Souffle de volonté. Intelligence divisée par 2. Niveau suivant, 200 faveurs. Ah, on peut booster ces cartes! Si je fais ça par exemple, voulez-vous passer au niveau supérieur? Oh! Mais du coup ça n'a rien fait. Ah putain, ça n'a rien fait. Encore. Ça fait rien du tout. Elle est plus belle, mais elle fait rien. Si, ça doit forcément servir à quelque chose. Ça doit forcément servir à quelque chose. Idiot. Bon, tant pis. Dommage. Ok, une autre. Le système de up est particulier. Ça sert quand tu fais un deck. Ah ouais? Ok. IRL, elle est boostée. Ouais, ouais, IRL, y a des petits bords qui se sont mis et tout. Cosmétique. Peut-être c'est juste cosmétique, hein. Peut-être. Mais on y va. Ça change le cadre de la carte, c'est pas mal. Le jeu magique. Gérer vos decks. Ouais, je vais aller voir après. Alors attendez, paralysie. Dégâts 6 plus intelligence plus point d'action. Ça, c'est pas mal. Salve d'éclair. Ok. Je regarde tout mon deck d'abord. Puissance intérieure. Dégâts 6 plus intelligence plus X intelligence. X étant le nombre de marqueurs brûlures. D'accord. Consume 7 marqueurs brûlures de votre adversaire. Ah ouais. Donc ça c'est le burst quoi. Faudrait que je me les trie. Faudrait que je me les trie. Genre ça c'est les bursts, ça c'est les machins. Parce que là sinon je vais faire n'importe quoi. Le nombre d'utilisation n'a pas changé. Mais non, mais là je suis en train de scanner, je suis pas en train de jouer. Mais non. Donc là boule de feu, vous voyez ça, ça coûte d'ailleurs ça coûte 0 point d'action du coup. Boule de feu simple et efficace. La boule de feu est sans doute un des sorts les plus répandus chez les mages de l'île de Bren, capable de brûler même sans les environnements. Donc ça fait brûlure 1. Ça c'est un marqueur brûlure. Et ça coûte pas de point d'action. Donc ça pour mettre un marqueur brûlure, c'est pas mal. Guérison ancestrale, un petit heal. Boule de feu, 4 de mana. Non, non, elle coûte 0. 0. Guérison ancestrale, soin 10 plus intelligence.
Ok. Donc il y a du heal. Expiation brûlante. Instantané, enchaînement, et vous inflige deux brûlures à vous. Donc attention au match miroir. Attention. Et si tu perds les données comme les cartes imaginaires ou les cartes bleues, erreur lecture. Oui. J'en sais rien. White Seat, merci pour l'un an de sub. Convertis votre résistance en intelligence à la fin du tour. Cette carte n'a pas d'effet d'armure. Très bien. Combustion en chaîne. Pendant 3 tours, au début du tour de votre adversaire, brûlure 1. Et votre adversaire perd X santé. Ça, c'est pas mal comme opening. Combustion en chaîne. Ok. Bouclier psychique, on a vu. On a vu. Protection 6 plus intelligence. 6 brûlures égale plus 1 résistance. Consume un marqueur brûlure. Et donc ça, c'est encore une fois... pas une sorte de burst, mais un truc qui utilise des brûlures. En fait, il n'y a que deux trucs qui mettent des brûlures dans mon deck, je crois. Paralysie, 10 intelligence. Ah, paralysie, ça veut sûrement dire qu'on peut pas jouer, j'imagine. Je pense. Si ton lecteur est mort, t'as plus le jeu, par contre. C'est vrai. Bon, après, il faut du temps avant de niquer un lecteur de cartes NFC, je pense. faut pas déconner. Ok. Alors, attendez, je vais juste vérifier que j'ai pas une autre carte qui fait brûlure, mais je crois pas. Je crois que j'ai aucune carte qui fait de brûlure. Hein. Celle-là, elle en fait pas. Imparable, ok. Celle-là. Ok, celle-là. Paralysie. Celle-là. Instantané, purge totale 1. Et ça. Instantané, enchaînement, vous inflige de brûlure. Ok. Après, c'est bien de commencer avec 10 cartes parce que, bon, il y a quand même beaucoup d'effets à retenir. Donc, c'est déjà pas mal. Ok. Je vais les séparer en 3 paquets. 3 paquets. Très bien. Alors, gérer vos decks, c'est quoi du coup? Collection de decks. Nouveau deck. Ah, faut que je canne toutes mes cartes. Ajouter le champion. Ok. Alors, champion. C'est celui-là, mon champion. Voilà. Renommé. On va dire le premier. Premier deck. Ah oui, et comme ça, on peut regarder nos cartes et tout. Ok. Alors, voyons. Voyons voir. Voilà. Ajouter en réserve. Ah non, ajouter au deck. Ok. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ça sert à le regarder, j'imagine. Même sans avoir tes cartes. Ah, ou peut-être que ça sert à jouer sans que tu les scannes. Je sais pas. Je regarde. Je vais toutes les ajouter pour voir. Et voir ce que ça fait. Il vient d'oublier d'ajouter le champion. Ah merde. Ouais, bon, c'est pas grave, je vais le refaire après. Ok. Et donc le champion. Hop. Ok. Tu peux avoir que 10 cartes dans un deck, ça sert à rien de les enregistrer, à les enregistrer justement. Ça sert juste à limiter le nombre de cartes dans ton deck. Ah, d'accord, ok. En fait, tu peux avoir que 10 cartes et du coup... Mais là, j'en ai 11. Pourquoi il dit que j'en ai 11? Voir les maîtrises. C'est quoi ça? Début 5 santé, nécessite 10 cartes de rang apprenti. Ah, c'est genre des points de talent? 5 cartes d'attaque hybride. Ah, ok, c'est genre des combos. Genre si t'as 10 cartes de rang apprenti, et bah tu vas commencer la partie avec 5 de santé maximum. En fait tu peux faire des combos avec tes cartes. Genre si t'as 10 cartes de la faction des Kovadrak, et bien tu démarres avec 15 de santé. Voilà, 10 plus champion, ouais c'est ça exactement. Tu peux up ton champion, je sais pas, je vais aller voir. Bon admettons, je fais ok. Ça c'est mon premier deck. Et le champion... comment on fait? Attends, précédent, observatoire, scanner une carte. Est-ce que je peux up mon champion? Niveau suivant. Bah non, le champion, ouais. Le Glovedil gagne 2 points de communion au début de son tour. En forme de Glovedil, il gagne intelligence au début de son tour si l'adversaire possède au moins un marqueur de brûlure sur lui. Quand il a au moins 10 points de communion, il subit transformation et passe en forme de... Ah! Quand il a au moins 10 points de communion, il n'avait pas écrit 8 tout à l'heure? Capacité active, 3 PA, 3 utilisations. En forme de Glovedil, dégâts intelligence, moins 4 points de communion, brûlure 1. En forme d'esprit, dégâts intelligence, ok. On va essayer de se transformer quand même, ce serait pas mal. C'est en montant l'XP des cartes que tu montes les factions. Ok. L'overlay beat sub cache un peu. Non, il cache rien du tout, hein. Il cache menu précédent et liste d'amis. Je te garantis qu'il cache rien du tout. Ok, vos traits, vos reliques. Alors pour l'instant c'est verrouillé. J'imagine que c'est quand tu déverrouilles des niveaux. Ça fait très RPG en tout cas, toute la DA et tout. Je trouve ça très très propre. Quartier, c'est quoi quartier? Zerator, pas de titre. Votre compte, quête journalière. Changer d'adresse mail, ok, quête journalière. Ok. Très bien, je me balade un peu. Hein. Reliquaire. C'est quoi le reliquaire? Tu peux donner un nom à ton héros? Ah, peut-être, peut-être. Le reliquaire. On peut acheter des cartes. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Tant que votre adversaire a au moins un marqueur, saignement, plus un de dégâts. Qu'est-ce que c'est?
des reliques. Ah oui, on pouvait les équiper sur mon héros, j'ai vu tout à l'heure. Ah, donc on peut même stuffer son héros. Ah ouais, d'accord. Bon, là, je peux pas, pour l'instant, c'était verrouillé. Reliques rares. Donc ça coûte des faveurs. Les faveurs, c'est la monnaie que j'ai là. J'en avais 2000 au départ dans le jeu. Ah, on peut stuffer son héros. Ah ouais, du coup, ça, en termes de théorie crafting, il y a du potentiel. C'est du stuff. Bah ouais, c'est du stuff. Je vois ça. Il y a du PVP, je suppose, évidemment. Je crois même pas qu'il y ait de PVE d'ailleurs, je crois qu'il y a que du PVP. Relique légendaire, 10 000 faveurs. Punaise. Sale gosse, merci pour le sub. Alors par exemple, une relique légendaire, c'est quoi? Au début du combat, vous perdez 30 de santé, mais au début de votre tour, si vous avez joué 2 cartes pendant cette partie, vous gagnez autant d'intelligence que votre adversaire a de marqueurs glace et brûlure. Ah ouais. Ok. Très bien. Bon, je vais pas en acheter, j'ai pas... Pour l'instant, c'est verrouillé. Sachant que c'est qu'un early access, je crois. Non, le jeu est sorti, my bad. Ok, bon, bah, on va jouer, on va essayer de faire une game quand même. Partie rapide, local, tournoi. Tournoi ? Ah oui, j'ai vu qu'il y avait des tournois. Non, mais je vais peut-être pas faire un tournoi tout de suite. Aucun tournoi disponible. Ouais, voilà, on peut créer des tournois et tout, ça c'est trop bien. On peut déjà créer des tournois, ça c'est de la bombe. Partie rapide. Nous débusquons un champion. Bon, j'espère que je vais pas tomber contre Juice. Tag pas, hein. Non, il tag pas. Peut-être que je vais jouer contre un dev, il va me massacrer. Putain. Ah oui, donc là, forcément, ok. Là, on joue notre deck. Scannez le champion pour valider votre deck. Ça y est. Ok. Je me rappelle plus par quoi il faut que je commence. Ah si, je me rappelle. Enfin, je crois. Attends. Si, c'est ça. Ouais, c'était ça. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui se passe? C'est bugué? Ça va, la durée du matchmaking? Partie annulée. Non. Pourquoi? Partie annulée, on m'a annulé ma partie. Je suis deg. Moyen d'avoir une cam sur tes mains. On le fera tout à l'heure. Let's go. Poète, poète. Poète, 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 poète. Et d'après ce que j'ai compris, il y avait une sorte de mode LAN. Je sais pas si on jouera en LAN tout à l'heure, mais voilà. Ah voilà, c'est parti. Bienvenue dans Hôtel du Damné. On joue contre DS Léa. Un bot, ça. DS Léa, c'est un vrai pseudo, ça. vous n'allez pas me la faire, hein, les devs. Hein. J'ai joué à PUBG Mobile, hein, je sais qu'on met des bots. Hein. Je plaisante, calmez-vous. Très bien, on va tenter ça au début. On y va. Paf. Je tente un plays. Quoi? Pourquoi? Oui. Ah, ouais, ah oui, elle devait enchaîner, d'accord. Tour de l'adversaire. Alors elle joue... Je sais pas quel personnage elle joue. 184. Mais elle a tellement d'HP! J'essaie de mettre des marqueurs de brûlure. Alors les marqueurs de brûlure sont là, vous voyez? 3 marqueurs de brûlure. On va essayer de monter en marqueur de brûlure à fond. Je vais essayer un truc. Deuxième combustion en chaîne. Ah, ça joue vite, on sent que les joueurs sont expérimentés. 6 marqueurs de brûlure. Aïe 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 aïe. Bien joué. Ah, combustion en chaîne, c'est fini. Je la mets de côté parce que je peux plus la jouer. Je l'ai trop joué. Elle a consommé tous ses marqueurs de brûlure. Non. Du coup, elle en a plus qu'un. Elle s'est dot. Elle a enlevé ses brûlures. Je suis dans la merde. Paf, tiens, ça c'est imparable, ça fait trop mal. Ah, du coup, j'ai plus que la boule de feu qui met des marqueurs de brûlure. Il y en a 3. Parce qu'il y avait 2 trucs. Paf, salve d'éclair, paralysie. Et comme ça, là, normalement... Ah, paralysie, c'est que t'as que 4 secondes pour jouer. Ah, c'est ça la paralysie. Ah, mais du coup, ça prend tout son sens dans un jeu où tu dois poser des cartes sur un lecteur. Cette carte n'a plus d'utilisation. Ah non, j'ai fait trop de boules de feu. Non. Au secours. Mais attends, mais du coup, j'ai aucune carte qui a pas d'utilisation infinie. Du coup, au bout d'un moment, j'aurais joué toutes mes cartes. Comment il se passe quoi au bout d'un moment? Je crois que j'en ai fait 3, ça y est. Il fait nimp. Mais attendez, c'est ma première game. Ma première game à part tuto. 248 HP elle a. Mais elle avait tellement d'HP au début. Si t'en as une. Si t'as une carte infinie. Ah ouais? Laquelle? Ah mais si, oui, je vous avais montré, je vous avais dit, si il y a écrit infini, c'est bizarre. Non, je me rappelle, ça y est, je me rappelle. C'est celle-là. Souffle de volonté. Souffle de volonté, c'est une carte infinie. Ok. Tremblement des tréfonds, je crois que je l'ai trop joué, attends. Tremblement des tréfonds, utilisation 3. Coup 2. Je crois que j'ai déjà utilisé 3, on va voir après. Ah oui, j'ai des vraies cartes dans ma main et je dois les scanner sur un lecteur. Je vous montrerai tout ça après. Ouais, cette carte n'a plus d'utilisation. Allez hop, ça dégage. Il n'y en a plus. Celle-là non plus. Il y a déjà 3 cartes qui sont niquées là dans mon deck.
guérison ancestrale. Voilà, purge, un peu de heal, ça fait plaisir. Merci, mais ça va durer 3 plombes. En fait, les... Merci Crazy O'Bunny. En fait, j'ai l'impression que les persos ont trop d'HP. Genre, en fait, je vais finir qu'avec ma carte infinie à la fin. C'est un truc de fou. Bon, il a 40 d'intel et 40 de force, donc il va bien finir par me one-shot. Tu vas mourir avant. Ouais, c'est possible. Hein. C'est tout à fait possible. Ah, mais en fait, souffle de volonté, ça fait de la... Souffle de volonté, ça fait des marqueurs brûlures. Ah, voilà, 85, ça y est, on prend dans la gueule. En fait, c'est ça. C'est un jeu dans lequel... Ah non, elle prend pas de marqueurs brûlures dans la gueule. C'est un jeu dans lequel tu boostes ton perso et après, paf, tu fais un two-shot. Parce que là, j'ai pris un 98, hein, je vous rappelle. Ok. Alors, des soins. Au secours, j'ai 10 HP. J'aurais dû me soigner. Ah mais je me suis soigné. Ah donc c'est à lui. Ah mais je suis mort. C'est fini. Ça va être dur de gagner ma première game hein. Comme je me rends pas trop compte. Guérison encore. Aïe, j'ai perdu. Oh là là, c'est compliqué. Surtout que là il doit y avoir que des mecs qui savent jouer. Alors ça par contre c'est un peu truc, c'est que ça doit être dur de débuter à ce jeu. Défaite, mais j'ai beaucoup gagné. Et les plus hauts niveaux, faut jouer ton héros, il fait trop mal. Comment ça, jouer mon héros? Ça se joue, mon héros? Ah putain, on peut jouer son propre héros, mais ça, j'avais pas compris. Attendez, je refais une game. J'avais pas compris qu'on pouvait jouer son héros et que son héros, c'était une carte à part entière. Ça, j'avais pas compris. Et oui, il y avait écrit actif, je suis trop con. C'est vrai, je suis idiot. Il y a un mode histoire pour améliorer ton perso? Je crois pas, non. Ouvre les autres decks. Alors non, justement, je préfère essayer de m'habituer à mes cartes plutôt que d'essayer tout de suite d'aller chercher les trucs de fou auxquels je vais rien comprendre. Déjà que là, j'arrive pas avec mon truc. Ah, c'est la même chose. Ah, c'est la même personne. Sauf que c'est pas le même personnage. Oh putain, la vache. C'est pour bien me montrer qu'on peut me massacrer avec tout à la fois. Ok, alors on y va. Si ton tel a le NFC, tu peux peut-être jouer en tant que brique. Mais en plus, je crois qu'ils m'ont dit ça. Jouer une carte. 3 secondes, au secours! C'est bon! Au secours! C'est parce qu'il m'avait mis paralysie, ok. Il a déjà une relique. Ouais, j'avoue. C'est un dev, il triche. Mais je suis sûr que c'est un dev. Je me fais spammer par un dev. Vous entrez en concentration et gagnez un marqueur en concentration, la voie d'utilisation, sortez de concentration. Eh, si c'est un dev, laissez-moi me transformer en dragon! S'il vous plaît. Comme ça on voit ce que ça fait. Moi je dis ça, c'est pour vendre votre jeu hein. C'est le mec qui commence à insulter. Mais moi j'en ai rien à foutre après tout hein. Hein. 8 marqueurs brûlures. C'est bon, c'est bon. Pourquoi la grosse carte d'utilisation au début? C'est pour monter les marqueurs de brûlure. Ouais, boule de feu, 3 utilisations, c'est mort. Comme si tu enchaînes, c'est mort. Souffle de volonté. Bouclier psychique. Paf! Boum! Ok. Tour de l'adversaire. Mais là, il a que 8 marqueurs de brûlure. Comment je vais faire? Transfo. Transformation! Pas du tout. Pas du tout. Ça fait quoi? Brûlure 1. Ah voilà. Souffle de feu. Un souffle de feu, ça met pas de marqueur de brûlure. Je sais pas comment je peux en avoir plus. T'es passé en forme dragon, regarde ton avatar. Yes! Ok, c'est bon. Je suis en forme de dragon. Oh, je vais le massacrer. C'est bien, il me laisse gagner. Et l'autre, là, expiation brûlante, ça va faire un carnage, c'est ça? Vous infligez brûlure 2. Convertir votre résistance en intelligence. Ah non, ok. Intelligence, à la fin du tour, armure, on se garde, n'a pas d'effet. Et ah oui, c'est enchaînement en plus. Ok. Donc salve d'éclair. Puissance intérieure. Et ça, ça va déboîter normalement, non? Voilà. Combien je vais faire avec ça? Puissance intérieure, on va voir. Normalement, je vais le déboîter avec 24 d'intel. Combien j'ai fait? J'ai pas vu. Oh mon dieu! Vite! Joue une carte. J'ai même pas vu combien j'avais fait. Il avait un bouclier, je crois. Oh putain, non. Encore! La paralysie, c'est chaud, faut jouer vite. Ouais. Encore paralysie! Merde! Putain, putain, putain. Bouclier! Ah, mais là, je me mélange dans les cartes. Au secours! Mais du coup, il n'y a plus de brûlure. J'ai tout épuisé. Attention. Il utilise Ice Block. Merde. Paralysie. Putain, il faut toujours en 4 secondes, là.
C'est insupportable pour un noob comme moi là. 132 HP. On inflige des dégâts quand même. Il s'est protégé les 3 fois. Ouais, je sais, j'ai vu. Il s'est protégé les 3 fois où j'allais faire mon super. Mon super truc. Putain, mais zéro. On ne peut faire que zéro tout le temps. Ah, il a aussi le bouclier psychique. Marrant. Ok. Encore bouclier psychique. Putain, mais la vache. 114. Encore. Encore, encore. Encore. Putain, il a fait 3 boucliers psychiques sur mes 3 salves d'éclair. Ça, c'est pas très sympa. Vous jouez une carte. Alors là, si je joue ça. Paf. Ok. Parce que c'est vrai que ça fait effet après, faut pas oublier. Là, il a pas de point de brûlure, ça sert à rien de jouer ça. Expiation brûlante, je crois que ça enlève les. Ça fait quoi ça déjà? Instantanément, enchaînement, vous infligez 2 brûlures. Ah ouais, c'est bien ça. Ok. Oui, d'accord, d'accord. Convertir votre résistance en quoi? Cette carte n'est pas valide. Ah oui, non, mais pardon, pardon. Excusez-moi. Et là, par contre, on peut faire ça, non? Ah non, merde, j'ai trop utilisé cette carte. Oh! Ça! Il a 53 d'intelligence, je vais me faire atomiser la gueule. Ok, tremblement des tréfonds. Restauration, ok, il se heal. Il s'est heal. Merde. Ça, je l'ai trop fait, je crois, non? Ouais, ça, je l'ai trop fait, ça dégage. Imparable. Paf. Le tremblement de terre. Cette carte n'a plus d'utilisation, il y avait écrit, je crois. Il me semble. Ou alors c'était lui. Zéro de force. Carte physique en fonction de la force. Ah mais oui c'est vrai, merde. Je suis idiot, arrête de jouer ça. Putain, je croyais que j'étais encore dans l'autre truc. Conduction, je sais plus ce que ça fait. Ça fait quoi? Paralysie 10 plus intel. Ah c'est pas mal. Mais il y avait un contre-coup, j'ai pas vu, ça m'inflige 10 de dégâts. Ouais ça m'inflige 10 de dégâts. Bon souffle de volonté, ça va. Tour de l'adversaire. Ah il doit jouer en 3 secondes, il est en panique. Oui. Yes. Il a pas pu jouer, c'était trop rapide. Yes, excellent. Oh, il a encore 4 secondes. Oh là, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Oh là là. C'est un massacre. Je me heal un peu. Hein. On va se purger, là. J'ai le dev. Ok, alors là, hop, on se protège de ça. Et là, normalement, ça me ferait rien. Bam. À moins 43, quand même. Ok. Bouclier psychique, je sais pas combien j'en ai encore. Ah oui, 3 sur 3, c'est écrit, putain, je suis con. J'avais même pas vu que sous les cartes, là, il y avait le nombre d'utilisations qu'on avait fait. Souffle de volonté. On va se heal. On va se heal. Ah, c'est plus serré que tout à l'heure. Tour de l'adversaire. Question bête, pour jouer en local, t'as besoin de 2 lecteurs ou un suffit? Alors non. Pour jouer en local... Quoi? Mais c'est abusé. Parce qu'il a 52 d'intel et moi, je suis trop naze. En fait, quand vous jouez en local, vous pouvez jouer avec un seul lecteur pour 2. C'est à tour de rôle. Mais par contre, faut faire gaffe parce que si tu joues une carte, que tu scannes pour l'autre. Le héros. Ok, le héros, c'est fini. Là, j'ai plus que 2 cartes possibles, c'est conduction et souffle de volonté. Ah oui, c'est ce que. Mais donc là, je suis forcément mort en fait. Parce que là, c'est ce que je disais. En gros. Ah non, celle-là aussi. Oh putain, bon bah c'est fini, je crois. Attends, peut-être. Non, peut-être expiation brûlante. Je vais voir. Là, en fait, on va tous les deux faire des souffles de volonté à l'infini si on a tous les deux utilisé toutes nos cartes. Jusqu'à la fin, en fait. J'ai pris des moins 72. Ouais, je vais crever, en réalité, c'est ça qui va se passer. Comment ça se fait qu'il ait autant d'intel par rapport à toi? Mais parce que lui, il sait jouer au jeu. Voilà. Voilà pourquoi. Alors ça, j'ai déjà fait ça. À tour de l'adversaire. Merde, pardon, pardon. Oui, d'accord. Au revoir. Il avait enchaînement, c'est pour ça. De ouvrir tes boosts. Bah attendez, non. J'ai envie de jouer comme un débutant. Après on va faire la pause et on jouera avec Juice. Merde. Il y a un 56 au-dessus de ton dragon. Ça je sais pas ce que c'est. Communion. Bah oui, c'est les points de communion. Là j'ai 58 points de communion mais du coup j'ai plus rien à faire à part le souffle de volonté. Intelligence divisée par 2, donc je vais faire des à coups de 12. Joue ton perso. Ah non mais là c'est fini, je peux rien jouer. Là c'est terminé. J'ai mon utilisation maximale. Donc voilà, là je peux juste jouer une seule carte, c'est celle-là. Voilà. Enfin je crois.
Votre tour, jouez une carte. Ah merde ! Ah, je suis mort, d'accord. Bon, on est mort, hein ! On est mort, la carte personnage Zerator. Oui, je l'avais déjà joué un maximum de fois. Bon, écoutez, ça s'est mieux passé, cela dit. Mais bon, je vais jouer avec un adversaire qui a le même niveau que moi. Et on verra à heure de jeu égale qui triomphe, d'accord ? Mets des post-it avec la description sur les cartes, astuces de pro. J'avoue, ça peut être pas mal, ça. J'avoue, c'est une bonne idée, ça. Mesdames et messieurs, on va faire une petite pause de 5 minutes et on se retrouve avec donc une cam sur les lanceurs pour que vous puissiez voir ce qu'on fait. Et avec Juice, et là, il te déboîte. Ah, c'est possible, hein ? Alors, Juice, il joue un autre perso, mais on va vous présenter tout ça juste après, dans la prochaine session de gameplay, avec les decks, les cartes. On va vous les montrer d'un petit peu plus près et tout, et comme ça, vous pourrez voir. A tout de suite, ne bougez pas. Merci à toutes et tous d'être là. Merci aux subs, merci aux donateurs. Merci à tous. À dans 5 minutes. C'est maintenant que le vrai truc commence. J'espère que ça va bien se passer. On revient tout de suite.